bien? Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle recette. Bon, le soir, à la maison, on ne sait jamais quoi faire. C'est pareil chez vous, hein? Je vais donc vous proposer de réaliser une tartine raclette. Alors oui, c'est possible de la réaliser avec de la sauce tomate, du jambon, histoire qu'elle soit un petit peu plus light. Mais vous me connaissez, hein? Moi, je suis partie sur la version fromage fondu, quoi. C'est parti, on y va? Pour cette recette, il vous faut du pain à bruschetta, des pommes de terre cuites, du jambon, du mascarpone, en sachant qu'à la base, j'utilise la crème fraîche épaisse, du fromage à raclette et de l'herbe de Provence. Alors, on va commencer par étaler le mascarpone. On pose ensuite les pommes de terre. Jambon. Le fromage à raclette. D'herbe de Provence. On la place ensuite au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à varier les garnitures à l'infini. Vous pouvez mettre ce que vous aimez dessus sans problème. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette.